ça 7-7 nan yon? Qui est-ce qui capte 7-7? 7-7 nan seul coupe ou plusieurs tifènes? Est-ce que 7-7 nan lié au salut? Est-ce que pain avec vin yon, yon c'est seulement des symboles? Qui aspect spirituel qui gagne dans 7-7 nan? Grand cérémonie ça. Le nou va nan voir un bon Dieu ya. Nous les saints, les élus. Est-ce que nous continuons à pratiquer? Moi, salut toutes amis directement. C'est ensemble de questions ça yo que nous pourrons répondre ensemble à la lumière de la Bible, à la gloire de Dieu. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne pouvons pas parler de cette scène sans que nous ne parler de Pâques. Là. Genèse chapitre 15, Dieu te fait une promesse avec Abraham. Dieu te dit avec Abraham, descendant, petit, tu vas esclave. Non, pays qui pas payé par pendant 400 ans. Mais promesse que m'a fait. Après 400 ans, ça a fini accompli. Ma va juger nation ça. Qui va qu'il y ait des peuples en captivité. Et là, il va sortir avec de grandes richesses, à main forte et à bras étendus. Dit l'Éternel des armées. Accomplissement pour mes salles, il va le faire en Exode. Nous connaissons l'histoire là déjà. Jean-Pharaon, pas de plus que le peuple a allé. En Exode chapitre 12, nous allons joindre Pâques là qui c'est délivrance là. En Exode 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Quand pile théologien, en pile, nous nous posons des questions. Je dis, mais pour qui ça Dieu te fait promesse là avec Abraham? Il te dit 400 ans. Pendant ce temps, en Exode, c'est 430 ans qui vient accompli. Pas oublier que le Joseph rentré en Égypte, il devient premier ministre. Les messieurs d'Amio rentrés en Égypte, ils ne peuvent vraiment rentrer dans la servitude. Au contraire, à l'époque de Joseph, ils étaient joués parce que petit garçon, ils étaient premier ministre. Dieu pas dit, ils étaient joués en Égypte. Dieu te dit yo, yo t'a pralé dans servitude, dans esclavage. Donc, Dieu pas compté époque que peuple là, yo te joui dans pays Égypte. Pas que là, sorti dans mon hébreu qui c'est Pessa, qui signifie passer autant, épanier, etc. Donc, il va prendre petit mouton hein, sans tache, sans défaut, ok? Il va analyser, il va prendre sang, il va passer sang sur l'entoport là. Okay? Qui symbolisait le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il va manger petit mouton ça à la hâte avec des pains sans levain selon Exode 12, le verset 800. Il va servir comme signe. Le ange destructeur va passer à cause de sang sur le topote là, qui se symbole de la croix. Il n'est pas rentré pour le faire des gars. La épanier maison ça parce que sang. L'été là. Donc, pas oublier que tout ça a été écrit pour être capable d'accomplir en Jésus-Christ. D'où l'aspect passé ou historique de la Pâque était un souvenir de la délivrance d'Israël en Égypte. L'aspect prophétique était accompli sur le calvaire. 1 Corinthiens 5, verset 7 dit Christ, notre Pâque. Ça veut dire que en Christ, nous n'avons pas besoin de mouton encore. Nous n'avons pas besoin de sang, de mouton pour nous passer sur notre porte encore qui pour délivrer nous. Non, 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 non. Christ mourit une fois pour toutes et pas sans lui délivrer nous. Ou même qui peut croire en Jésus-Christ. Sans la capacité pour laver, sans la capacité pour propre et pour le boyon délivrance totale, capitale. Et c'est sans ça que Christ te prend comme une nouvelle alliance avec l'Église là. Et c'est lui que nous-mêmes nous prenons cette scène qui est le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne pouvons pas jouer avec cette scène. Qui est-ce qui a pris cette scène? N'importe qui ne peut pas prendre cette scène. Il faut qu'on en communion avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on en communion avec Dieu. Il y a l'Église qui m'a dit qu'il faut baptiser pour participer dans cette scène. Il y a l'Église tout qui dit de pour convertir ou quoi ou qu'à prendre cette scène. Pas de problème. Il suffit que vous preniez dans la nature. Les gens qui vivent dans le péché, pas prendre cette scène. Ce sont des malédictions qui vont aller sous. Mais sous droite, ou en conformité avec la Bible, avec Dieu, ou qu'à prendre cette scène très, très bien. Et Dieu a béni nous davantage parce que c'est une cérémonie spéciale. Cette scène, non seulement coupe ou plusieurs tivés. Bagay, ça fait gros discussion, gros débat. À la lumière de la Bible, tout côté que la Bible a parlé de. Le repas du Seigneur, il est toujours parlé de yon coupe. En Matthieu chapitre 26, verset 26, dans Marc, dans Luc, tout parlé de yon coupe. C'est la raison qui fait Christ dit buvez-en tous. Ça veut dire en bois la dent. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Mais bagay ça a divisé le monde, plusieurs vers, yon seul coupe, etc. Moi-même personnellement, mais comment me comprendre? Je ne dis tout le monde d'accord avec. Si yon moun, ou prenne yon seul coupe, c'est bien. Au contraire, moi-même, elle comme ça. Mais si vous prenez plusieurs tivés à tout, moi-même,
m'a prend parce que pour moi il pas problème parce que ça plus important dans cette scène là c'est pas récipient yo. OK, c'est le sang et le corps de Jésus-Christ. Seigneur, si vous mal prend malédiction a tombé sur vous. Ce gens qui fait apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11 là, il fait un étalage, un élargissement pour dire nous c'est pour nous éprouver tête nous d'abord. C'est pour nous discerner le corps et le sang avant nous prendre. Il pas dit couple là, il pas dit plusieurs hivers. Non, il dit le sang et le corps de notre sauveur Jésus-Christ. On ne pas quitter bagaille ça au diviser nous mes frères et sœurs. N'a prenons non seul coupe, on nous prend avec cœur content. Nous prenons non seul divin, on nous prend avec cœur content parce que c'est sang, c'est corps qui est important. Badou d'accord avec ça c'est frère plaisir parce que moi-même, on prend non seul coupe béni, on prend dans plusieurs divers, on béni parce que c'est pas ça qui est important pour moi. Donc est-ce que c'est lié au salut? Oui, lié au salut. Selon Jean chapitre 6, le verset 53-54, la Bible dit: si on ne pas manger corps Jésus-Christ, si on ne pas boire sang Jésus-Christ, on pas gagner la vie non. Et monde qui mange corps, monde qui boit sang, il gagne la vie dans lui et Christ a ressuscité au dernier jour parce que cette scène n'est pas une blague, il lié au salut. C'est raison qui fait cérémonie ça. Monde pas jouer avec n'importe monde pas préparer cette scène. Monde mais sale, malévé Jack, malévé pas cap préparer cette scène monsieur. C'est pas mettre robe blanc, chemise blanc et costume blanc, vin tout de blanc. Et pas ça qui est important. Est-ce que cœur nous disposé? Est-ce que nous fait le bien? Kounya là mon a baisser cette scène avec bonbon, avec pâte. Mes frères et sœurs, ça sont crises que lié l'église. Christ te prend pas pour lui pas prendre pour grand merci non parce que payant lui subit martyre. Li prend 20, li pas prendre pour grand merci mes frères et sœurs. C'est ce qui fait, li pas jamais dit ça au symboliser corps ni sang. Non, li dit ceci est mon corps et mon sang. C'est pour blague. Attendez. Jean chapitre 6 verset 55 à 56. Christ dit: comme c'est vraiment un outil. Sang, c'est vraiment un breuvage. Pourquoi ça le dit ça? Parce que y a pas de symbole. Oui, le nan dans marché a, nous achetons pain, n'achetons vin, mais spirituellement, depuis nous finissons de prier sur vous, mes frères et sœurs, il n'y a pas vin, il n'y a pas paix encore, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous pensons, il y a un monde qui mange un simple pain, qui a bon simple du vin, qui a malade, qui a cocobé, qui finit prend le mal. Non! Ou bien, je vous dis, nous avons pile monde l'église malade, des pasteurs malades, ils ont fait tension, ils ont fait sucre, ils ont fait toute qualité maladie. Pour qui ça? Parce que si c'est un mal fait, on nous ressaisit, nous, messieurs. C'est pour un symbole que lié, c'est vraiment le corps, le sang de Jésus-Christ. Je ne pas attendre les pasteurs dire ça a symbolisé. Non, Jésus-Christ pas jamais dit ça a symbolisé. Spirituellement, c'est le corps. Spirituellement, c'est le sang de Jésus-Christ. Sang que Christ est versé sur le bois du calvaire. C'est le condamne. Et ça fait l'église à poussant. Parce que nous participons dans cette scène, nous communions avec Saint Christ là, nous mangeons col. C'est lui qui fait nous terribles puissants. C'est l'aspect spirituel. Il y a des gens qui peuvent dire, mes frères plaisir, ou sont cannibales. Non! C'est l'aspect spirituel là. Parce que cette scène, ce n'est pas d'une manière physique, je ne comprends rien. Non, mes frères et sœurs. C'est ce qui fait, nous sommes sortis dans le péché hier soir, je dis à lui pour cette scène. Elle va gagner. Parce que cette scène n'est pas consacrée. Qui est-ce qui prie dans cette scène là? N'est-ce pas comment pour régler toute affaire sociale? Mais depuis cette scène, il n'y a pas de temps. Là, dans cette scène, il est pressé. Là, dans cette scène, il n'y a pas de temps pour discerner le corps. Il n'y a pas de temps vraiment vrai. Mes frères et sœurs, on nous ressaisit. Et c'est une cérémonie qui est éternelle. Parce que Christ dit avec monsieur, regardez, nous ne pouvons pas ni manger avec moi. Encore. Seulement, n'a pas mangé avec moi dans le royaume. Selon Matthieu, chapitre 26, le verset 29. Ça veut dire, c'est une ordonnance qui est éternelle. On nous ressaisit, nous, l'église, les pasteurs. On nous ressaisit, nous. Monsieur, nous ne pas faire cette scène. N'a pas faire champagne dans cette scène. Petit pâté, bonbon, fanta. Monsieur, nous ne pas jouer avec mon Dieu. Dis-toi, malade, dans nous. On nous prend l'aspect spirituel là pour l'église qui est puissant, qui est béni. Moun ka préparé cette scène qui vit yo. On pasteur pas ka sot nan loge pour venir préparer cette scène. On jack ou sot bat madame ou venir préparer cette scène. Moun yo pas béni. L'église là avant de faire cette scène là, li doué gon temps de consécration. Faut que nous fait lavement des pieds selon Jean chapitre 13 pour nous entrer dans communion, pour nous manger une avec l'autre et puis pour nous faire cette scène là pour nous capable béni.
L'église a besoin de grandir. L'église a besoin de bénir. Nous avons besoin d'appliquer ça, la parole de Dieu dit. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était ça, mon frère, plaisir. Bon dimanche.